Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Et oui, Gordon Deza pour Gamesdeza TV. Donc nous sommes avec Marco et Antoine Deza pour tester en exclusivité mondiale. Enfin, genre... Feast of the No Star, Hokuto no Ken, Lost Paradise. Ok, donc c'est le nouveau jeu Ken le Survivant, sorti aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre. Genre, on l'a pas enregistré avant. Date officielle de sortie. Et donc, c'est l'occasion de faire l'unboxing. Vous voyez qu'il y a des petits trucs, il doit y avoir des bonus dedans, parce qu'il est un peu épais quand même. Et l'unboxing et le test dans la foulée de ce jeu sur PS4, qui est exclusivement d'ailleurs sur PS4. Donc on va le découvrir de suite après le générique. Bon alors, le jeu est PEGI 18, hein, donc Antoine va s'en aller dès qu'on sera en train de jouer. Mais tu as le droit de faire l'unboxing avec nous, d'accord? Donc on verra. Mais je vais être en échange par contre. Ok, on verra. Ouais, tu resteras dehors et on t'appellera les moments où il n'y a pas de sang. Bon, parce que bon, pour ceux qui connaissent la série, hein, Hokuto no Ken, la série et tous les dérivés, les films, les OAV, tout ça, c'est quand même un univers assez violent, hein. C'est un univers post-apocalyptique où il y a pas mal d'effusions de sang et de bagarres et même si Ken n'utilise jamais d'armes, hein, d'ailleurs on va voir hein, s'il respecte ça, Ken se bat qu'avec ses doigts. Hein. On va voir comment ça se passe. Mais déjà procédons à l'unboxing, d'accord? Unboxing. Bon, on le fait sans gants, allez, on s'en fout, allez. Hop, on a le plastique, on le garde pas. Hein, on s'en fout, on le jette. Je sais pas, moi, si un jour faut le revendre. Ouais, on va prendre. Quoi que c'est qu'il y a des petits doigts. Moi. Tu me le déchires, je te tue. Ah bah alors non. La pression. Tu me déchires, je t'explose la tête comme au couteau no ken. Je sais pas encore, mais t'es déjà mort. Hein. Ah putain, donc oui, bon, bon histoire de parler un petit peu. Donc il n'y a pas le titre au couteau no ken, hein, nulle part. Nulle part, c'est Feast of the No Star, c'est le titre anglais en fait, le titre américain, pardon. C'est le titre américain, mais c'est la traduction de Hokuto no Ken, hein, le point de... Non, pas de l'étoile de la mort, c'est le point de la grande ours en fait, ça veut dire Hokuto no Ken. Et j'arrive... Oh, j'arrive Google pas, hein. N'aie pas peur, Google traduction. Tu seras obligé, vas-y. Attends, vas-y. Ils ont fait exprès pour pas que tu le revendes. Ah ouais, ouais. Putain. Attends, la première fois j'ai joué. Il n'y a pas de scotch, il n'y a rien. Oui, il ne faut pas avoir un scotch ici. Il n'y a pas de scotch, je te dis. Alors. Allez. Bon, Marco a trouvé un petit accessoire pour nous aider à l'ouvrir parce qu'avec les doigts, c'est pas évident. Voilà. Enfin, surtout si vous voulez pas. Si vous voulez pas l'abîmer. Voilà, le bébé va sortir. Alors, vous avez évidemment le jeu sous blister. Vous avez, comme vous l'avez vu, l'image en 3D, donc voilà, il n'y a rien de spécial derrière. Hop, et regardez, ce qui est marrant, c'est que hop, quand vous inclinez la carte, en fait, il tourne la tête et il vous regarde tout le temps. Comme c'est magique. Voilà, vous pouvez pas le quitter des yeux. Et donc, vous avez quatre cartes, quatre très jolies illustrations. Oups, attendez, j'essaye d'éviter les reflets. Oups, on va recentrer, voilà. Waouh. Voilà, Ken, et j'imagine Julia, j'imagine. Hein. Elle n'est pas très ressemblante. Et c'est tout? Ils disent qu'il y a... Ah oui. Il y a des trucs en plus, des vignettes, images 3D... Ah oui, mais le dit là, donc d'après moi... Ah, ils sont dedans. Ouais. D'accord, ok. On va être obligé d'ouvrir ça également. Et il y a des DLC, une date limite de consommation? Pas mal, pas mal. Moi, je te mets les poubelles là. Hein. Hop, vas-y, vas-y. Voilà, donc, nous allons ouvrir le jeu. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Des petits autocollants, apparemment. Mais les fameux stickers. Ouais. Moi, j'aurais préféré les autocollants avec la gueule de Ken, quand même. Content mon cœur. Ensuite...
Ah, c'est ça le code. C'est le code pour des bonus. Bonus de lancement de l'édition. Ouais, ça aussi on est déjà avec un jeu. Et le jeu, bah, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu veux d'autre? Mais je sais pas, sticker, sticker. Oui, mais ils ont dit sticker et vignette. Non. Sticker, vignette. Mais les vignettes, c'était ça là. Ah, bah c'était ça. Ouais. Ils appellent ça des vignettes. Ouais. Ouais. T'es pas content toi, hein? Non, j'ai pas assez de cadeaux. Bon, ça va, allez, pour le prix. Donc voilà. Ok, bon ben je pense qu'on peut passer directement au test du jeu, hein, voilà, on a tout vu, on y va? C'est parti. Alors, on va jouer. Antoine, tu dégages. Bon, 12 gigas, ça fait 13 minutes d'installation. Bon. Allez, on tolère. On tolère. Ça fait 13 minutes de vidéo? Ah ouais, j'aurais préféré 13 minutes de jeu, c'est sûr. Bon, à, qu'est-ce qu'il y a? Quand l'époque où on mettait la cartouche et on jouait, hein. C'est clair. Alors, un joueur, ah, il te demande 37 gigas minimum. Fonctionnalité réseau, mais c'est pas un jeu en ligne. Ouais, tu dois pouvoir. Si. Alors non, attention, il y a du langage grossier, ils préviennent, de la violence. Les jeux de hasard. Jeux de hasard, bon. Alors c'est un petit peu bizarre, hein. Ah oui, ça fait peur parce qu'on voit un moment, on voit Ken en costume. Ken en costume, qu'est-ce que c'est cette connerie? Je sais pas ce qu'ils sont allés inventer là. J'ai jamais vu ça. Moi aussi j'ai jamais vu. Tu peux aussi personnaliser ton véhicule. Ah, y a un véhicule là. Oui, t'as un véhicule quand tu veux traverser le désert. Comment tu sais tout ça, toi? Parce que enfin, je l'ai pris. J'ai pris le CD et j'ai regardé. T'as regardé des gameplays, en fait? Non, j'ai regardé, en fait, juste derrière. Non, il dit pas tout, lui. T'as regardé... Et là, t'as su qu'on pouvait les customiser. Oui. Bah, il écrit personnalisable. Ah ouais, votre véhicule personnalisable. Quand Charlie m'a montré... Bon, intégralement doublé en anglais et japonais, hein, donc il n'y a pas français. Hein. Bon, mais c'est pas grave. Hein. Je suis pas bon en japonais, moi. Bon, ceci dit, le packaging est en français. Hein. Là, hein. Ah ben Sega, hein, même s'ils ont arrêté la production de consoles, bon, ils n'ont pas pour autant arrêté de produire des jeux, mais de bons jeux, hein, notamment. Hein. Donc, bon, celui-là, on va voir. Hein. Bah Sega, de toute façon, ils existaient même avant de faire des consoles, ils faisaient déjà des jeux. C'était... Bah, au début, c'était des bandes d'arcade, c'est les premiers d'ailleurs. Hein. C'est des spécialistes de la... ouais. Du jeu d'arcade. Ils ont pas lâché, ils continuent d'ailleurs. Une fois qu'ils ont fait un truc comme Mario Party, ça c'est des mini-jeux en fait, tu peux faire des mini-jeux. Ouais, on va bien voir. Bon, on va pas faire... Dans une ville. On va pas faire un gameplay du jeu en entier, hein. On va faire le premier, le deuxième niveau, on verra. Enfin, on verra jusqu'où on peut arriver, mais on fait que le début, on va dire une demi-heure de jeu, hein, on va pas faire beaucoup plus. Hein. Tout le monde on va voir jusqu'où on peut arriver, on va voir si c'est pas trop violent. À la première goutte de sang, tu sors. Quoi? Tu caches les yeux. Comment si je vais laisser, c'est moi qui joue. Ah, on te laissera jouer peut-être un petit peu. Allez, c'est moi qui joue, qui me dit de fermer les yeux. Ouais, ouais. Ah ouais, tu... on te dit va à gauche, va à droite. Va à gauche, à droite, et donne un hypercute. La petite installation est terminée, ça a pris un petit quart d'heure quand même. C'est parti? Allez, lance, vas-y, bingo. Wow. Top de bien. C'est trop fort, tu me dis, hein? Non, je pense que c'est bon. Ça fait un fond musical, c'est bien. Ça fait le fond juste qu'il faut, je pense. On verra bien. Mais... Avec les 7 cicatrices. Bon, l'interface est en anglais, hein. Pressez une button. Oh, normal, on n'est pas... Non, ouais, ça va, on n'est pas des gamins. T'inquiète, hein. Bon, moi j'y joue à peine de ce combat. Oh, bien, regarde. Ah. Il y a quoi? Non, quand même. C'est pour... Non. Ça veut dire quoi? C'était pour toi. C'est en fait, si tu veux que les moments où les têtes explosent, ça soit moins violent. Ça soit tranquille. Ouais, si tu veux que ce soit plus tranquille, ouais. Parce que le sang a son importance, apparemment. C'est cool, ça. Je crois qu'il est pas content. Là, tu comprends pourquoi le sang. Ça y est, il y a déjà du sang. Allez, dégage. Non, quoi? Ferme les yeux. Oh, ça m'a l'air d'être Ken. Oh, qu'il est beau, quelle aisance, quelle classe. C'est un vrai Apollon. Pop, 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 pop.
Il est encore mieux dessiné que dans le dessin animé d'époque. Non, j'exagère, mais... Ah, ça, par contre, c'est un peu con d'avoir les dialogues en anglais sous-titrés en anglais. Ouais, mais je me suis fait la même réflexion. Il doit y avoir peut-être dans les... Des réglages pour sous-titrer en français. Non, ça, je sais pas s'il plus sur PC plutôt. Doublé en anglais. Non. Parce qu'à la rigueur, tu me mets les voix en japonais et le sous-titre en anglais, ouais. Tu vois, ça me va. Ouais. Ça, je trouve un peu con. Bon. On va faire la bagarre. La bagarre de suite. Ok, c'est comment la bagarre? Carré, carré. Ça, c'est bien. Et R1. Ok, c'est pour bloquer sur un ennemi. Pour bloquer sur un ennemi, ouais. Ok. Alors. Oh. Wow, 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 wow. Oh oui. Oh. Oh, le combo de la mort. Ouais. Oh, c'est hyper rapide, c'est super bon. Okay. Alors, triangle pendant que pendant tu le fais combo. Pendant le combo, ouais. Ok. Ils auraient pu mettre en français, okay. Ces connards. Alors, ils font tout le packaging en français, comme il faut, ou presque. Ah, et, d'accord. Et le jeu est pas. Ça, c'est ça. Le jeu est pas traduit, quoi. Oh! Allez, commence ton combo. Alors c'est bête, mais ça me rappelle en fait le jeu des Space Sheriff, le jeu d'XOR sur PS2, où c'était du pur fanservice, c'est-à-dire c'était XOR qui dégommait les CRX. Ah ouais? Ah ouais. C'est du pur fan service. Et là, voilà. Là, c'est ça. Là, tu attaques de suite. C'est trop bon, quoi. C'est on réfléchit pas, on pose le cerveau. Et on fait du ken, quoi. Du ken. Et tu sais, combo finish blanc. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça se passe. C'est ce que je fais, non? R1, c'est... Oui, ça, c'est pour bloquer. Ça, c'est pour bloquer sur un ennemi, ouais. C'est le haut, c'est ça, alors. C'est ce que je vais faire. En fait, c'est un espèce de stage d'entraînement, ça. Ouais, c'est un tuto, quoi. Ouais. Ça marche jamais, les... Non, mais je crois que c'est parce que j'arrive pas à faire le bordel, je crois. Ah, c'est pour ça, toi. On prend de mon tof. Ah là je le fais, hein. D'accord. Ouais. C'est ça. C'est le bâtard, à la fin. Non, c'est carré, triangle, après il y a R1. Non, dès que je fais pas après, non, bâtard. Faut le faire en même temps, le R1. Ah, ouais, peut-être. Ah, il était. Le triangle, ça fait Wata, en fait, c'est ça. C'est ça. Ah, il n'en reste plus qu'un à faire. Ok. Bon. Ah, t'as un. Oh. Ah, parce que tiens, ouais, en fait, tu dois réussir plusieurs fois la manip. Oh, je l'ai fait là. Non. Pas assez bien. Aïe, aïe. Que tu fais F1, après tu fais R1. C'est quoi, pour se protéger contre les attaques? Ouais. Encore une fois. Ah, oui, s'il attaque dans le dos, le salopard. Bon, ils sont lâches, hein, comme dans la série, hein, c'est normal. Hein. Oui, je dis la série parce que pour moi, la référence, ça reste quand même la série. Hein. C'est pas... J'ai pas lu le manga papier. Hein. Pour moi, la référence, c'est la série. C'est sûrement pas le film live. Il y avait un film, hein, Fist of the North Star, que je ne conseille pas du tout. Un film live. Par contre, il y avait le premier film en animé qui était géantissime. C'était un espèce de résumé du début de la série.
mieux dessiné, avec plus de sang, avec enfin tout plus, c'était plus. Et après ils ont fait des OAV qui étaient sympas aussi. Donc là, un coup et un fer. Oh, ça fait beaucoup de choses là. Oh là, t'as trop de trucs, c'est vrai. Faudrait écrire. Ok. 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 Faire la bagarre. Quoi. Ah là, tu vois les balles. Hein. Ah ouais. Oh, il a explosé. Désolé. Ah merde, on l'a pas bien vu. Tu peux nous en refaire un autre, s'il te plaît. Ça a loupé carrément. Ouais. Après, t'as dit jouer les vidéos. Ouais, il a disparu. Putain, ouais, ah oh, oui, voilà, là on l'a bien vu, voilà, on l'a bien vu. Mais... Non, moi je peux pas le prendre. Non, de toute façon, Ken il prenait jamais ses ennemis, hein. C'était vraiment, c'est ça quoi. C'est du bout du doigt et du poing, hein, c'est tout. Allez, relève-toi. Ken n'utilisait jamais d'armes, sauf oui, une flèche qu'il avait balancée dans l'œil. Ok. Il utilise. Il y a vraiment rien pour changer les la langue. Hein. Ça te gêne, hein? Non, mais c'est pour savoir. Peut-être que les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir, comme dirait Jean-Jacques Bourdin. Les gens veulent savoir, enfin. Bon, non, on n'a pas trouvé. Bon, si vous avez trouvé, vous nous le mettez en dessous, hein, dans les commentaires, n'hésitez pas. Ah ah ! Chien ! Lui, c'est vraiment un gros enfoiré. J'allais dire autre chose, mais... C'est l'enfoiré de la série, c'est lui. Tu fais rond quand tu bloques quelqu'un. Ah, tu peux faire un round. Je n'ai pas compris, il faut faire quoi les gens là? Fais rond à ceux qui ont une tête de main. Ah, tu vois? Ah oui, pourquoi ils sont en finishing en fait. Bon. Là. Ah. C'est pour le finir. Non? Ah ouais, ça doit être une espèce de fatalité, ah, quoi. Ouais, oula, 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 oula. Ah, il est mal, il est mal, il est mal. Oh, oh oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Merde, il est revenu à la vie. En fait, tu peux les ressusciter, quoi. Ah, tu peux pas, il a pas le rond sur le... Ça, ça, c'est... Là, tu peux. Ouais. C'est une technique secrète. Oh. Ouais, c'est la bagarre. Son corps est resté là, hein. Ah. Ah oh. Ça me plaît, ça. Antoine, ferme les yeux. Oh oui. Ah oui, ça c'est bon. Ça. D'accord, ok. C'est pas mal, le gameplay il est pas mal. Ouais. Ouais. Bon, évidemment, comme tous les jeux, faut s'habituer un petit peu, faut s'entraîner. Ben, après, voilà, ce niveau un peu tuto est là pour ça. Oh oui. C'est bon, je l'ai en main, Et voilà. Je vais faire aussi.
Oh, oh joli. Oh trop bon. Oh yes. Bon Antoine, est-ce que tu es choqué? Non mais j'aurais trop envie de jouer sur votre parole. Tu feras la suite. Il est pas mal hein. Utilise ton cosmos. Ah, ça pourrait être un bon petit jeu d'arcade en fait hein. C'est clair. Fidèle à Sega quoi. Oui, d'accord. Oh, ça doit faire. Ah, il est en mode Super Saiyan. Il a défoncé le cou. Bon, c'est un peu gore, hein. Bon, j'avoue, hein. Bon, c'est un peu, c'est assez fidèle, hein, d'ailleurs, hein, l'univers Ken le survivant. C'est totalement ça, hein. Alors bon, je sais que les parents seront choqués, ils l'achèteront peut-être pas aux enfants en plus bas âge, on va dire, mais bon, pour des ados, ça va, de 14 ans, c'est bon. Je veux dire, nous on regardait cette série à l'époque, voilà, où il y avait ce genre de choses. Bon, ça a pas fait de nous des tueurs, quoi, hein. Bon, peut-être que certains le sont devenus en regardant cette série, j'en sais rien. Mais de toute façon, j'ai jamais réussi à tuer quelqu'un avec le bout de mes doigts. Ça te plaît, hein? Voilà, hein. Qu'est-ce qu'il va dire, papa? Il va dire, ramène le jeu, vite. Tu sais que tu n'auras pas le droit de jouer, je crois. Eh non. Le jeu il reste là, hein, monsieur Marco. Il y a tout le temps chez toi là. Ben, je voulais te l'offrir pour ton anniversaire à la base, mais je me suis dit, mais non. Ouais, c'est trop abusé. Pas qu'on peut faire, moi je le finis, après je le traite. Bon, celui-là, il me semble que je fais. Tu étais? Oui, j'étais. À peu près, hein. Ah non, là, c'est chaud quand même. Bon, la première série était quand même un petit peu plus censurée que ça, hein, parce que sur la première saison, en tout cas, on voyait juste les. Comment dire, les ombres, les. Comment on appelle ça? Les silhouettes, voilà, cherchez le mot. On voyait les silhouettes exploser, mais on voyait pas vraiment voilà, le sang, tout ça sortir. On le voyait après, quand c'était au sol. Mais le moment où ça explosait, on le voyait pas. Là, on voit tout très bien, quoi. Mais après, dans les séries et les OAV qui ont suivi, il était hors de question de faire de la censure. Bon, faut savoir qu'aussi en France, il y avait eu une autre censure, bon, au niveau des dialogues. Donc, il y avait eu une polémique avec les doubleurs de la série qui refusaient de doubler avec les termes crus et violents qui étaient normalement prévus dans la traduction. Et ils se sont permis pas mal de fantaisie lors du doublage de la série. Alors là, Ken arrive face à Shin, enfin dans son dos. Kenshiro, je pense pas qu'ils se battent de suite, ça m'étonnerait. Ouais. Sinon c'est un lâche, il va toujours envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Let her go. Have you forgotten Kenshiro? Let me remind you. Yuria belongs to me. Her life is mine alone. N'empêche, c'est super beau, quoi. Je trouve graphiquement, c'est vraiment impeccable. Is it all coming back to you now? The day that I proved that I was your better. I left you broken. Parce qu'on reste quand même dans le style manga. Hein, on n'est pas dans le style film ou trop image de synthèse, quoi. You lost me all because you were blinded by your naivete.
I scarred your body, but you must remember why I spared your life. Eh oui, c'est lui qui lui avait fait ses 7 cicatrices. Qu'elle avait torturé avec son doigt. She swore that she would be mine if I spared you. Donc il y a un petit peu d'histoire, hein, il y a un petit peu de mode story aussi. Disgraced and defeated. You can run if you wish to. I'll let you go as one last mercy to the man I cast into hell. Bon, je l'imagine pas se battre de suite contre Shin. Normalement, c'est quand même un, ce serait un boss après un long niveau. Peut-être un début de bagarre, quoi. Peut-être juste un début de bagarre, alors, ouais. Après qu'il s'enfuit, bon, essaye quand même de lui dégommer sa gueule. Normalement, il est trop rapide, hein. Ah, c'est peut-être ça aussi, le truc, hein. Peut-être que, justement, tu peux pas le battre, là. On peut passer en mode jeu, là, on a envie de le dégommer, là. So you have improved somewhat. Well then, let's see you dodge when I fight at my full strength. This is very good. Oh, il a plié mal au doigt. Il paraît que c'est très déconseillé de faire ça trop souvent d'ailleurs. Oui, c'est très mauvais, ça peut te provoquer de l'arthrite plutôt que plutôt que prévu. Ah bah oui, bagarre contre Shin direct. Ouf. Vas-y, arrache-lui ses cheveux. Oui, oui, tu le tiens là, tu le tiens. Ah bon, tu as fait 100 coups de poing là, tu es impuissant. Pour l'instant, il t'a pas touché une fois. Oui, elle m'a bordé. Un peu, allez. Allez, défonce-le. Allez, nique-lui sa race. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, il y a eu un coup de lag ou c'était prévu? Non, hein, c'était comme ça. Ouais, c'est la fin, là. Aïe. Ah, les mains, les mains. Alors, tous les spécialistes vous diront qu'une fois la main percée, vous n'avez plus la force de tenir. Mais bon, comme c'est Ken le survivant... Quoi, il est mort? Tu as obtenu un trophée. Ouais. Ah, mais peut-être pas qu'il est mort. Déjà? Non, attends, il est pas mort. Tell me where Yuri is. Tu ne le sais pas encore. All I wanted. Et tu n'es pas encore mort. All I did was for her sake. My mighty army. My grand city. I only wanted to bring her joy. To give her happiness. Oui, il cherchait à la couvrir d'or et de luxe, mais... But still, nothing was ever enough. À quoi ça sert d'avoir de l'or dans un... Hein? Dans un pays où il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien, là. Le futur, c'est... Il voulait paraître beau avec ses cheveux longs, avec ses cheveux. Now, Yuri is gone. Oui, en fait, ouais, Julia, en fait, enfin, Julia, c'est Julia en français, ils étaient tous les deux amoureux d'elle. Bon, sauf que Julia, elle aimait pas trop le blondin, apparemment. Le blondin. Il est plein de choses. Ah. Beaucoup de sang, t'as pas fermé les yeux. Quand même. On va avoir la dasse sur le dos. Hein? Oh, vous faites jouer des enfants! Allez, regarde! Et fais ça dans la cour de récré. D'accord? Fais pareil, quand on t'emmerde. Pas d'armes, que les doigts. T'as vu? Tu mets tout dans les yeux après. Ouais. Il est vraiment mort. Voilà, on a fini le jeu. Bon, là, c'est que le premier niveau. Quelle heure il est? Allez, on a encore un quart d'heure.
fait plaisir. On n'a pas de voiture. Ken n'a pas besoin de voiture. Quoique. Là, il dirait pas non, par contre. Non, allez, il a besoin de lunettes, pas pareil. Là, s'il y en a une, il fait de l'autostop. Hein. Alors, ce qui est fou, c'est que l'histoire de Ken, en fait, ça se passe dans les années 90. La sortie de l'histoire originale, enfin, la série originale était sortie fin des années 80. Et l'histoire, en fait, de Ken, ça se passe dans... C'est le futur, les années 90. Bon, par chance, il n'est pas arrivé tout ce qu'ils avaient prévu dans l'histoire. But the human race lives on. Allez, de la bagarre. Ah. Is that all? Voilà du super vilain. They got loads of gasoline here. Way I heard it, this used to be a factory. So I figure, only reason they wouldn't have gas is if some little punks hoarded it. Mais c'est vraiment. You never said this place would be such a shithole. Nothing around here but a bunch of old coots and little kids. Damn it! Where the hell's all the gas? With all these fine folks here, we'll just pick them off day by day. Eventually somebody's gonna talk. Oh? Yeah, I like that. I got some rage to work out anyway. Eh ouais, fallait rester dans la maison, les gars. You. Mais non, il y a Ken qui va arriver. Ils le savaient. Ils avaient vu la série avant. What the hell you want? I need to ask you something. Has a woman named Yuria passed through here? Huh? What the hell's up with this guy? Bon, est-ce qu'il est bien avec ces petites séquences, comment on va dire, c'est des cinématiques. C'est bien, c'est que ça garde le rythme de la série du coup, hein, parce que c'était pas que de la bagarre, hein, Ken. Ouais, mais après je veux voir si peut-être qu'après il y a du gameplay ou comme tu t'es mis place avec Ken à faire des trucs, hein, je pense. Mm-hmm. C'est pas que de la baston, si. Je sais pas. Franchement, j'ai rien regardé sur ce jeu. Je le découvre vraiment. J'ai juste vu la bande-annonce. It's too late for you. You're already dead. Ça veut dire. Ça veut dire. Ouais, bon, il faut se faire un peu garder. What the fuck? What the fuck? Help me! Please! Paf, comme un ballon baudruche. Là, il est petite enfante en plus. Ah, rien à foutre, lui, il est boucher de profession, donc il fait ça devant tout le monde. Please. De l'eau. Even one cup. J'en étais sûr. I need some water. J'aurais demandé la même chose. C'est bon, il est gentil. Putain, il vous a sauvé, il vous a donné de l'eau. Il fait peur quand même. Hein. Bah, il fait peur, c'est sûr, il tue les gens avec son doigt. Merde. Il est mort? Il est mort. Bah, 2 minutes de jeu. Loading. On regarde un film là en fait. Bah, c'est un peu ça. Hein. Bah, il faut bien une intro. Bah, faut bien que ça ait du sens. Qu'il y ait un départ dans l'histoire. Bah, ce serait con aussi de faire que se battre. Here you go. Tiens, mais c'est pas Lynn, la fille qui est dans la série habituellement. Ah, il boit mieux. Et... En même temps, ils lui ont servi dans un verre de psychopathe, hein, tout dégueulasse. And this is my grandpa. What's your name, mister? Kenshiro. Kenshiro. It's nice to meet you. Thank you for the water, Ruka. You're a lifesaver. You're the one that saved our lives. Tu peux lui donner un autre verre quand même.
Those bad men might have killed us if you didn't beat them up. The water is our way of saying thank you. This town used to be a major hub for car production. We managed to survive nuclear war, thanks to underground facilities built for storing diesel and gasoline. However, ah ouais, c'est qu'il y a pas que l'eau qui est rare, hein, il y a aussi l'essence, le diesel. Ben pourquoi pour faire marcher les machines? Les machines ne marchent pas à l'eau dans le futur. Là, ne leur parle pas d'électricité, hein, sinon ils te frappent. C'est trop bien, c'est les machines qui marchent au sable. C'est dans ce jeu, tu vois. Tu as d'autres conneries comme ça, on dit? Bah au moins, il y aurait moins de sable. Tu vas te calmer. That's why we spend most of our time hiding underground. I see. It explains why the place seems deserted. Only a few of those that went. Ouais, pour en revenir au doublage de l'époque, c'est marrant de revoir de quelle façon. Je vous en mettrai peut-être des petits extraits à l'occasion quand on fera une vidéo spéciale Ken. Mais les doubleurs s'étaient amusés. En fait, ils voulaient s'éclater, les doubleurs. Donc, ils leur faisaient dire n'importe quoi. Je suis Ken du haut couteau à pizza, du haut couteau à pain. Ouais. Et donc, il y avait Shin en face de l'école Nanto. Nanto de vison, Nanto de fourrure. Il y avait plein. Ouais, alors ils essayaient de. Même les super vilains, ils leur faisaient dire des conneries. Hein. Ah mais c'était génial. Un peu dans le style des méchants dans Nicky Larson aussi. Les méchants dans Nicky Larson, ils disaient pas mal de conneries qui étaient pas forcément dans le VO. Mais ces gars, ils font aussi des jeux sur les autres consoles, Xbox, tout ça. Et pourquoi? Alors pourquoi il y a eu cet exclu? Pourquoi ils font des exclus des fois sur... C'est peut-être pas Sega, c'est autre chose. Non, mais ben après c'est Sony qui a donné un billet à Sega, tout simplement. Ah ouais, ça se passe comme ça. Tu me fais ça. Tu me fais l'exclu, s'il te plaît. C'est ça. Ben après, généralement, là je sais pas, mais généralement c'est des exclus pendant 3 ou 4 mois et après ça sort sur d'autres supports. Hein. Ah, ça peut quand même. Ça dépend de ce qu'ils ont signé. Ah, et plus ils signent cher, plus ils ont l'exclu longtemps, je suppose. Après, si c'est des éditeurs qui sont directement avec Sony, oui, ça va rester sur Sony. Comme les éditeurs de Uncharted. Là, ça va être propre à Sony. Quoi. Ouais, bah, j'ai dormi pour l'instant. Alors, je sais pas si on peut passer les scènes cinématiques, c'est un peu bête, mais peut-être que vous voulez qu'on la passe. Ah ouais, tu peux faire parler plus vite en fait. Ah, tu fais parler plus vite, d'accord. Donc t'appuies sur croix et ça va plus vite, c'est ça? Moi j'aurais une grande propose. Arrête, tu vas frapper la fille. Oups, pardon. C'est rien, c'est rien. Thanks for all of your help. Ça va, un verre d'eau, ça va. Yes. I have to see if Uria is really there. I was right. You practice Hokuto Shinken, don't you? Ah, les enfants, ne gaspillez pas l'eau. Hein. Vous voyez comme ça va devenir rare bientôt. They use pressure points to destroy their enemies from skip. On skip. Allez. Are you sure you want to skip? Yes. Oui. Ah, et là, ça te passe toute la séquence, du coup. Bon, voilà. Il y a une technique pour passer les séquences. Bon, on voulait vite, parce que je pense que vous la verrez si vous achetez le jeu. Bon, on a très bien compris qu'il repartait à la recherche de... Yulia. J'arrive pas à dire. C'est Julia, hein, je suis désolé. Éveille tout cosmos. Bon,
pourrait marcher, mais c'est pour vivre, hein, je parie. Ouais, c'est trop bien de faire ça. C'est de l'ancien. On n'a pas assez de dunes de sable en Corse. L'utilité technique. Le skip ou pas? Ah, merde. T'as fait la dernière fois? Attends. Chef, il veut pas. Bon, c'est histoire de suivre un petit peu ce qui se passe, quoi. That's it. Parce qu'il veut faire ratatatata. Oui, je sais que tu veux faire ratatatata. Mais il y en a qui aiment quand même l'histoire de Ken. Hein. Tout le monde dit, ouais, Ken, c'est juste de la violence et tout. Mais il se passe des choses. Ouais, il y a plein de monde. La série, elle dure je sais pas combien d'épisodes. Hein. Save Data. Oui, oui, c'est je vais le reprendre save la partie. Save Data. Après. Quoi? Comment ça que tu as sauvegardé? Voilà! Ça commence! Ah, ça commence vraiment que maintenant. Voilà. En fait. Putain, tout ça c'était rien, c'était une intro, c'était le générique. Donc là on voit un peuple un peu en détresse. On aurait dit des zombies à la base. Hein. Et eux, ça doit être les gardiens de cette espèce de château, enfin je sais pas comment dire. C'est pas gentil. Ouais, ça c'est des pas c'est gentils. C'est comme. Qu'ils veulent pas, c'est ils, l'ordre. Ils veulent pas leur donner d'eau quoi. Radin quoi. D'eau ou autre chose, ils cherchent sûrement à manger, à se nourrir, à vivre, survivre. Donc Ken va ouvrir la porte. Avec sa tête. Parce que lui aussi, il a faim et il a soif. Il a surtout soif de sang. Ouais, c'est pas vampire aussi. Hein. Et des loadings. Hein? Sur mon jeunesse, à l'époque, il n'y avait pas de loading. Il n'y a pas de sauvegarde aussi. Non. Ouais, là je passe. Hein. Attends, on demande ce qu'ils veulent. Attends. C'est censé être la cité des miracles. Well, there it is. Welcome to Eden, the city of miracles. La ville des miracles. L'Eden. But you won't find any miracles out here. Mais tu vas me trouver aucun miracle ici. What do you mean? We can't get in. No one can. Et alors pourquoi ils essayent de rentrer s'ils savent qu'ils peuvent pas rentrer? Walls, and they're not letting anyone. Ils ont que ça à foutre. That crowd over there, they're all people. Enfin, ils prennent le risque de quand même se prendre un coup d'arbalète dans la gueule, quoi. This was their last hope. All they can do is beg and scream. What would it take to get inside? If I knew that, you think I'd still be out here? You won't get anywhere with the guards. They don't care. Bribes, tears, nothing gets through to them. Allez pas, c'est les suivants. And look for some of, like, hey. I'm done. Allez, fais la bagarre. Ah non, on peut pas. Ah, tu vois, c'est pas que de la bataille. Head to the gate. Ah bah oui, il faut donner des coups de tête dans la porte. Ah. C'est comme je dis. Mais je sais pas, donne des coups, quelque chose. Ou alors, faut... Ah, tu peux rien faire. Bah parle aux gens. Y'a pas de ma... Hey, c'était ma manette. Là, lui, veut dire quelque chose. Yes. Hmm, c'est ma manette.
Je l'ai défoncé. Mais c'est moi qui dois les défoncer. Non. Non, moi. Moi. T'as fait des combats, des pleins de combats. Voilà, voilà qu'arrive la garde royale. Et je pense que si tu veux ouvrir la porte. Bonjour. Is this it? That's right. I heard we're not allowed in. You heard right. Nobody gets in without a permit from our ruler. A permit? I don't have anything. Well, doesn't sound like you have a permit. Move along. Il faut un permis pour entrer. Non, j'ai pas un permis comme ça, il dit. I don't care why you're here, stranger. No permit. No way. Just don't make this harder than it has to be, please. Nobody's sneaking. Plenty have tried. They're rotting in the cells. Après, c'est vrai que c'est bien, il les dégomme pas de suite. Il voit quand même s'ils sont de bonne foi, s'ils sont gentils. Mais bon, à mon avis, il va y avoir un moment où tu seras obligé de dégommer. Il y a un truc. Attends, à droite, à gauche maintenant. Tu vas tout droit. Il y a quelqu'un avec un S. Oh là là, la vue perçante. Hey, big guy. What do you want? What do you want? You want me to go back to France? Un truc gros, pas tu potes. Ok. Défonce la porte. Ah, oh, je dis défonce la porte. Ah, oh, y a plein de monde là. Ah ouais, ça s'est ameuté là devant. Faut que tu trouves un passage là. Défonce tout le monde. Il est malade. Ah, il n'y a pas de ah, merde. Ah non, pas les chiens aussi. Il faut les nourrir les chiens. Bon, on est dans la merde là, non? On passe dans votre monde, ouais. Prends une voiture et fonce dedans, je crois. Prends une voiture et fonce dedans, je crois. Ah, tu vas foncer dans les gens. Non, mais genre, il faut se pousser, c'est vraiment. Ils sont intelligents, les gens. Le pire, c'est que je le fais. Bon, attends. Ah, surtout, regardez. Bienvenue, noble étranger. Qui es-tu, mystérieux personnage? Je suis un mystérieux personnage. D'accord. C'est pour sauvegarder. Putain, mais... D'accord. Rien faire. Hein. Bon, c'est le moment où, on bouge et c'est toi qui joues. Putain, mais on veut faire de la bagarre, les gars. Donnez-nous les moyens de faire de la bagarre. Ah, toi et ton chien. Mangez le chien. Il n'y a pas de map. Oh, un BBT, il y a... C'est quoi ça, une bière? Il y avait maman un truc du... En fait, on a plusieurs levels. Oh, t'imagines, plus de bière. Merde, je peux pas. T'as amélioré ton... Alors, remets ton... remets le menu, là, c'est ça. C'est-à-dire revenir à la sauvegarde. On s'en fout de ça. Ouais, mais moi, j'ai amélioré. C'est pas la bagarre. Yes. Ability. Ok. Et la bagarre? Non, pas. Voilà. Faut déjà regarder la soluce. Oh mon dieu. Appelle le Nintendo SAV. Ils vont te dire fuck Spacecraft. Ah, y'a rien, y'a personne. Mais c'est peut-être la fin du jeu. Attends. Ça y est, on a fini le jeu là. Alors, moi je peux pas sauter, tu peux rien faire. Avec qui tu peux parler? Mais va-t'en. Oh, je vous casse. Démerdez-vous. Ouais, j'ai pas besoin de manger, j'ai pas besoin de me boire, j'ai juste besoin de me... Ah. Non. Mais non. Tu vois, fallait s'en aller. Ah ouais. Ah.
t'en vas. Bah oui, je m'en vais, j'ai pas trouvé la solution. Ah, j'ai compris, regarde. Quoi? Et vous êtes... C'est quoi qu'il a compris? Mais j'ai compris, je lui carotte la manette. Il va avoir la bagarre là, maintenant. Non, arrête, t'es mort. Non, moi. Déjà, moi. Que tu sois là, c'est bien. Peggy 18. Bon, voilà. Dans même temps, j'ai 18 ans. Ah ouais, oui. Ah mais non, mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Non. C'est pas. Ah, c'est lui qu'il faut parler maintenant. Allez, sors de là. Oh. Ah, tu reviens. Hein? Hein? Qu'est-ce que tu fous là? Bah, je m'emmerde, hein, comme tout le monde. Nope. Oh. J'attends les réponses brèves. Ça c'était pour gagner de l'espace, tu sais. Yeah. Pour rajouter encore du texte. C'est vrai, ne mettez rien à ce moment-là. Alors, en fait, tu dois tout refaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut prendre le chien et défoncer la porte avec. Attends. Là. Non, mais regarde, mettez le gage. Il y a l'autre aussi qui est. Pardon. Yes. Yes, I like you. Ça parle beaucoup quand même. Putain, ouais. Bon, allez, ce passage-là, il est un peu. Un peu relou, hein. Un peu plat. Je vais passer, je suis désolé. Moi, je veux faire rien, tata. Ouais, il y a plein, il faut parler. Je te gueule. Allez, encore lui. Ah, tu es revenu. Alors, comment ça va depuis tout à l'heure? Bah, pareil, j'ai pas bougé, je m'emmerde toujours autant. Ah, enfin, non, moi. Ah, il se passe quelque chose. Mais non, on est toujours. Hein? Hein? Ah, il lui a enlevé une douleur. Ah, pas besoin de guérir. Parce qu'il est aussi kinésithérapeute. Tu peux défoncer quelque chose. Oh, panique. Quoi? Trade quoi? Ah, va trader. Du shit. Tiens. Non. Je veux des bonbons. Mais t'as refait, mais... Maria, qu'est-ce qu'il a? Il a mal aux yeux. Mais crève lui, hein. Ah bah voilà, il lui a crevé les yeux. Donc ok, c'est pas qu'un jeu de bagarre, hein. T'as vu? Ah ouais. On m'a donné quelque chose. Ah, c'est la même chose. Mais tu l'as réparé. Regarde. Bon, toi, tu sais pas bouger, hein. Je me joue un jeu vidéo. Et là ça fait beaucoup quand même. Ah ouais, je trouve, ouais. Faire des allers-retours comme ça, c'est bon. T'as oublié l'autre, il revient. Tu sais quoi? Quoi? Bah je m'emmerde toujours autant. Ah la bagarre. Ah bagarre. Non. Allez. Ah du vilain, il y a du vilain. Voilà, ça va beaucoup mieux là. T'as meilleure mine là. C'est que c'est un champion de ball trap bon, également. Moi. Non, attends, il faut le corps à balle. Boku to no Ken. Allez, une cinématique.
Bon, j'en profite, parce que là c'est un petit peu long, hein. J'en profite pour dire, ah non, c'est violent là. Oula, il a tué le père là. Oh non, ça c'est... Ça c'est pas Ken, ça. Ça c'est quand même... C'est un peu plus violent que d'habitude là. Enfin, on avait vu hein, les grands-pères mourir devant la petite fille, machin, tout ça, mais là, putain, le père direct. Oui, je disais, donc je l'ai acheté dans une boutique à Corté, hein, ce jeu hein, en exclusivité. Boutique Dynamite Games à Corté, que je vous conseille. Je passe un petit coucou à mon ami Christophe Viora, qui a une boutique vraiment fantastique, bon, qui n'est pas énorme, hein, elle est plus petite que ta boutique à toi, mais il y en a de partout. C'était agencé, il y en a au milieu, il y en a en haut, en bas. C'est magnifique, du jeu d'Oka, du jeu neuf. Donc n'hésitez pas à y aller. Et surtout à dire que vous êtes venu grâce à ma vidéo. Mais on ira faire une petite vidéo, je pense, dans sa boutique, hein, s'il accepte. Allez, ça va failler. Ouh. Alors, tu te fends la poire. Aïe. Ça fait mal quand même. Le petit là, c'est bon. Hein. Ouais. Il est fini, lui. Hein. soit il est traumatisé, soit il va vouloir devenir Ken. Quoi. T'es content ? Voilà, ouais. Allez, un peu de bagarre maintenant. Combien de temps il nous reste ? Générique de fin. Allez, dernière bagarre. Hein. Dernière bagarre. Ok, là. Pour plaisir. Ouais. Moi, j'ai ce que je fais. Ah oui. Il a pas explosé, c'est nul. Non, c'est dommage. Ouais, j'ai fait exploser des gens. Oh, il est chaud, là. J'ai tout défoncé. Ouais. Bah, tu l'as éclaté. J'ai éclaté. Et il est gore quand même. Hein ? C'est vraiment c'est gore. Peggy 18. C'est... Ouais, c'est même plus justifié, je veux dire, ouais, que ouais. Les ta 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 ta. Hein ? Là, c'est ah ta 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 avec les doigts, mais c'est plus... Ouais, c'est plus sanglant en fait. Il est gore. Donc voilà, c'était le dernier combat. Bon, j'espère que ce petit gameplay vous a plu. Et que ça vous donnera peut-être envie d'acheter le jeu. Donc je remercie donc Christophe hein, de la boutique Dynamite Games à Corté, je rappelle. Merci Marco de nous avoir accueillis dans ta gaming room. Merci Antoine Deza de nous avoir aidé à tester ce jeu. Bon, t'es pas traumatisé ? Non, j'ai au contraire. Qu'est-ce que tu en penses ? Vas-y, dis-nous ça en quelques secondes. Tout va bien. Ouais, ça te donne envie. J'ai encore envie de jouer. T'as encore envie de jouer ? Eh ben non, papa il veut pas. Et donc on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ouais, je vais dire encore pour les 1000 abonnés. On va bien finir par la faire. Vous en faites pas. Il y a besoin de faire du bruit quand je parle. Faut pas rester tranquille. Et sinon à bientôt pour d'autres vidéos. On reviendra assez vite. Allez, bye bye. Bye bye. T'as pas dit au revoir.